En 2010, avant la crise. Parce que c'est important pour nous. Lui, il finit son mariage, c'est ça? Il a fini son mariage. Il a le médecin de Babou. Il a fini son mariage en nous. Il a été invité par Tebeli Devi à Tata. Donc Tebeli Devi faisait inviter les gens pour chanter pour lui, c'est ça? Non. Ah d'accord. Et les gens, donc lui il est venu. Et les gens ont senti que le gars n'a pas donné l'argent. Donc lui, il a levé 500 000 pour donner ça aux gens. Ils sont venus chanter. D'accord. Quand il a fini de donner l'argent, il a senti que quelqu'un l'a frappé ici. Voilà, comme si on avait un bonnet. Il est tombé. Non, il n'est pas tombé, sa chance avec une femme. Il n'est pas tombé. Mais ça, c'est ça, en bas l'arrestation du Babou. Oui, avant qu'on le vote même. En bas qu'on le vote, ah d'accord. Donc, après ça, la deuxième crise là. C'est ça maintenant, les deux bras, les deux pieds, tout est chaud. C'est ce qui a emporté sa voix. Et puis Babou l'a amené en France. En Élie. Voilà. Deux mois après, il est arrivé. Et puis, comme il est arrivé, il y avait la crise, Sinon, ça préoccupe le préfet. Hein. Il va les mains privées, il est où? Il a même dit de l'aider. On va quand même priver. Son âme, son esprit, tout son être, la puissance qui est en Jésus. Je communique la vie à son mère. Je communique la vie à son âme, à son âme. Je communique la guérison qui s'empare de lui, Seigneur. Merci pour la manifestation de ta présence. Il est sous ma charge. Tu as compris? Voilà. Ça préoccupe le préfet. Le préfet a appelé. On dit qu'on l'envoie ici. On m'a appelé pour dire de prendre soin de lui. Je prends soin de lui. Nous levons tous la main. Maman, j'ai prié pour tout le monde. Quand il faut vous couper, comment vous devez croire par la foi.
vous devez croire par la foi. Amen. Non, c'est pas question de non, on n'a pas versé lui. Pourquoi le prophète m'a fait poser les mains? Mais il faut croire par la foi. Ce que je viens de faire, amen, c'est ce qu'on appelle action prophétique. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, ni le mysticisme. C'est moi-même qui combat la sorcellerie. Je suis contre les mystiques et les féticheurs. Parce qu'ils n'amènent pas les gens à Dieu. Mais moi je suis prophète. La manière de travailler des prophètes est différente de celui du pasteur. Le prophète, ce qui le caractérise, ce sont les actions prophétiques. Il est dans les actions prophétiques. Amen. De lui, de l'eau. Je vais prendre la parole de Dieu. Marc 16, 6. Marc 6, verset 13. C'est ça que lui, là, c'est important. Lui est Marc 6, le verset 16. 13 plutôt. Marc 6, le verset 13. Écoutez très bien. Il chassait beaucoup de démons. On dit qu'il chassait beaucoup de démons. Et il soignait d'huile beaucoup de malades. Il soignait d'huile beaucoup de malades. Il les guérissait. Il les guérissait au temps de Jésus. Jésus, bonjour, bébé. Au temps de Jésus, pendant que les gens partaient en campagne de vendredi, ils avaient de l'huile sur eux. Parce qu'en ce qui concerne l'envoûtement, cette histoire de sorcellerie, là, il faut forcément l'intervention de l'huile. L'huile dans l'Ancien Testament symbolisait l'Esprit de Dieu. Et pas la amen. Donc c'était une action prophétique. Et quand on verse de l'huile sur toi, son aura. Tout ce que les sorcières veulent salir, ça vient salir ton âme. Le fait qu'on t'a touché, ça salit ton âme. Donc, quand on verse de lui, et par moi de l'eau sur toi, c'est une signification qu'on fait au nom de ton âme et tout ton être. Parce que l'être humain est composé de l'esprit et le corps. C'est comme le baptême. C'est une signification prophétique. On dit on meurt avec Jésus, on ressuscite avec lui. Sinon, Jésus est mort, il est ressuscité. On dit on te plonge, tu meurs avec Jésus, tu ressuscites avec lui. C'est une action prophétique. Donc le fait même de verser l'huile sur vous, déjà détruit une présence sans vous. Amen. S'il y avait un dépôt satanique, ça détruit. Mais c'est à toi de croire. C'est tout. Donc ce problème, c'est de croire. Donc c'est vrai, d'autres veulent forcément que le prophète cause avec eux. C'est pas mauvais. Mais le temps appartient à Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans une période où aujourd'hui, à cause de je vous ai dit ma voiture, je ne suis pas venu hier parce que la voiture est datée. À cause de Dideco là. Dideco, la voiture est louée, je loue un taxi. Taxi, mais pendant qu'il fait des heures, c'est l'argent. L'envie de vous aider. Donc vous devez cotiser pour envoyer 4-4. À vous, c'est à 4-4. Le démon va chaud. J'ai pris au moins 5 lieutenants, 5 colonels. Et puis on fait rap spirituel. Parcouru dans la Côte d'Ivoire. Mais c'est une brigade. Si on a 2-4 calas, c'est gâté encore. On va les mater. Nos seuls problèmes ne sont pas équipés. Et ceux qui nous regardent sur Internet, nos images sont floues. Ils disent maintenant, si on filme un chinois. Mais un chinois. On n'a pas l'argent ici. Un peu d'argent. Et puis c'est les gens qui ne délivrent pas là. C'est là-bas où vous mettez votre argent. Mais quoi, c'est un bon avant. J'ai dit, je suis pasteur de village. Et on est pasteur de tout. Moi, je suis en brousse. Je ne connais pas tout ça. Je suis en brousse. Mais les petits moyens du maison là, ça m'aide à être un peu efficace. Maintenant, si je suis équipé, je serai encore efficace. Amen. Voilà, donc donnons-nous les moyens, nous allons finir. Voilà, c'est important. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin d'être soutenu. Il faut qu'on soutienne l'œuvre de Dieu. C'est ça. Vous voyez l'œuvre de Dieu, soutenez l'œuvre de Dieu. Si vous soutenez, vous allez voir que le royaume de Dieu va aller de l'avant. J'ai dit toujours aux gens, Satan n'a pas peur de celui qui prêche bien. Non. Il faut prêcher bien pour mes âmes. Ça dit rien au démon. Et nous devons c'est quoi? Rien. Le démon a peur de celui qui le chasse. Quand tu as commencé à l'attaquer, c'est comme les bandits. Les bandits n'ont pas fait les projets, ils ont fait les RPG. Amen. C'est ça que celui qui regarde ma vidéo sur internet, ou celui qui me critique, c'est qu'il est satanique.
Non, lui, il attaque sorcier, mais sorcier, on a besoin d'être attaqué. Non, pour toi. C'est parce que la sorcellerie, c'est pas une bonne chose. Non, c'est pas une bonne chose. Vous-même, vous écoutez bien les aveux. Ah non, ça y est. Le sorcier est dangereux pour lui-même. Parce que si ton corps le mange, il est dangereux pour sa famille. Vous avez vu tout à l'heure, les membres de la famille ont été détruits. Et puis il était un danger pour son village, un danger pour sa région, un danger pour sa nation. C'est nous qu'on veut. Il en deuil des familles, c'est les grands types qui meurent. Vous avez entendu la petite fille. Le monsieur qui l'a attaqué, c'est un avocat. Sa voiture prend feu. Elle a incendié la voiture du monsieur. La sorcellerie. C'est un masque qu'ils vont attaquer. Et c'est pas tout le monde qui fait ça.